Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette première édition de votre émission d'entretien à bâton rompu avec ceux et celles qui font l'actualité au Cameroun et sur le continent en fauteuil pour vous. Il s'agit d'une émission d'une heure et 26 minutes qui vous permettent d'avoir quelques idées sur le panel ou le principal invité qui constitue le panel de ce programme. Et ce soir, pour cette première édition de votre émission d'entretien à bâton rompu, l'on reçoit le PDG du groupe Le Démenti, nanti de 3 doctorats en options politiques, sociologie et communication. Il est depuis peu le président d'un parti politique qui ambitionne de briguer la magistrature suprême, le Parti Républicain. Il est très connu de la scène médiatique et clame haut et fort être le fils aîné biologique du président de la République, Paul Biya. Georges Gilbert Bahola est l'invité d'un fauteuil pour vous. Bonsoir président et merci de nous avoir rejoint pour cette toute première édition d'entretien sur la télévision du monde en fauteuil pour vous. C'est moi qui dis merci d'abord à la télévision et à la promotrice LTM. Je voulais dire, je suis tout ouïe et je suis toujours prêt à répondre à toutes les invitations. J'estime ou je crois que je serai à la hauteur de cette émission. Surtout que c'est une première, je ne savais pas que c'était la première émission. Je ferai tout pour parfaire, disons que dans le sens du professionnalisme et à l'attente, disons que, de vos téléspectateurs. Alors, monsieur le président, première question peut-être d'entrée de jeu. Ce fut facile de rallier la ville de Douala avec la FESMO de la BUS du côté des DIA. Il y a 200... Résidé du côté de Yaoundé. Il y a 269 BUS. Nous n'avons que 3 ou 4 qui sont affaissés. J'espère que c'est une interpellation à l'endroit du gouvernement, surtout du ministre de Travaux publics, qui devrait faire dans la prévention. Il faut commencer déjà à faire ces travaux et non attendre que ça s'affaisse. Hein, parce que des incidents peuvent y arriver. Parce que j'ai vécu exactement Ezeka, l'histoire d'Ezeka, parce que j'étais arrivé sur le lieu quelques minutes avant. Et j'estime qu'il faut vivre dans ce qu'on appelle l'anticipation. Donc, pour éviter des désagréments. Je suis passé, mais j'estime qu'il faut que les 269 ou 259 bus qui ont déjà fait leur temps soient changés. Et j'estime que la politique du gouvernement devra être à l'approche, disons, que de la protection citoyenne, surtout routière, en ce moment où le gouvernement se veut être le maître des lieux, parce que j'ai suivi à travers le ministre de la Communication de ce que désormais, disons, les usagers devraient être plus responsables. J'estime que le gouvernement aussi, dans sa politique, en ce qui concerne la routière, devrait être plus responsable parce qu'en fait, c'est un recadrement, c'est une structuration. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, j'ai effectué une présentation somme toute sommaire de votre personnalité, mais s'il y avait quelque chose à dire pour le téléspectateur lambda qui nous regarde ce soir, vous diriez quoi si je vous posais la question de savoir qui est réellement Gilbert Bahola? Je suis d'abord un Camerounais qui se veut être patriote d'abord. Et puis un citoyen comme tout le reste qui, c'est-à-dire qui a mis en place, qui se fait une idée, je vous l'ai dit, et que cette idée aujourd'hui pour moi est la plateforme, par exemple, en ce qui concerne la communication, parce que je suis le premier Camerounais qui dénonce, disons que la mauvaise gestion tatillonne d'un certain nombre de membres du gouvernement et le système. J'estime que c'est un cas école, et puis ce que je peux dire, c'est que je suis Camerounais et il faut que d'autres deviennent plutôt citoyens et qu'on protège les intérêts du Cameroun. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur le plan académique, structurellement, vous avez posé des bases. Moi, la structuration académique n'est pas celle qui est l'attente du peuple. C'est la mise en forme, les réalisations dans son pays qui est important.
Et quand on va à l'école, on s'instruit pour soi-même, mais on se sert beaucoup pas, on ne se sert pas pour soi-même, on sert le public et on est au service du public. Voilà comment je... C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, monsieur le Président, vous clamez haut et fort être le fils biologique du chef de l'État. Vraiment, cette première question de prime abord, vous est-il reconnu jusqu'ici comme étant son fils? Et pourquoi ne portez-vous pas le nom Biya? Je suis très embêté, mais je ne suis pas embêté. Ça, c'est la question dont je m'attendais. Est-ce que monsieur Biya se plaint? Je m'interroge. Je ne suis pas le premier média. Je suis passé dans un média, pour ne pas le citer, Canal 2, c'est en 2009. Hein. Je suis passé dans les médias européens. Est-ce que M. Biya se plaint? Quel est le mystère qu'on trouve là-dedans? Être l'enfant d'un chef d'État est une réussite pour vous? Ou bien c'est un cas d'Icona où on peut brandir ce strampontin comme un leitmotiv? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que je fais peur? Est-ce que la République, ou bien c'est un nombre de personnes, ou bien une qualité de personne a peur? Parce que M. Banola devrait s'appeler M. Biya. Je m'appelle BBGG. Mais j'ai préféré enlever BGM à côté parce que je suis un t-shirt. Vous comprenez? Et par homologation, je crois qu'il va falloir taire ce... C'est pas une querelle intestine. Je ne suis pas un enfant qui suit un père parce qu'il va boire du lait. J'ai appris à travailler, je suis allé à l'école. Je continue à travailler pour mon père. Vous croyez que quand je suis en studio ici, c'est M. Biya qui m'a envoyé ici. Vous estimez que M. Biya n'a pas une vie? Je suis le fils aîné, pas biologique, le fils aîné et héritier de Paul Biya. Maintenant, que les adversaires se tiennent tranquilles. D'accord? Quand on disait à tout le monde ici, M. Biya n'avait pas d'enfant, personne ne s'est posé de questions, il n'y avait pas de débat. Le jour où quelqu'un vient et dit, c'est mon père, il n'y a pas une plainte, la famille ne se plaint pas, vous trouvez que c'est un débat? Quel est le débat? Qu'est-ce que je fais peur? Oh, ok. Si c'est M. Banola qui fait peur, c'est autre chose. Si c'est le fils de Biya, ça en est une autre chose. Vous avez vu avec mes plus jeunes qui sont en l'énorme aujourd'hui, là, ils vont réussir, hein, parce que d'autres gens attendent que ça patauge dans la boue. Vous parlez de Brenda. D'accord, ils vont bien réussir parce qu'ils ont des cursus académiques bien assis. Mmh. Ça veut dire que ces enfants qui vont à l'école, ils ont un bon encadrement, d'abord psychologique. Donc les gens n'attendent pas qu'aux examens, on dise, bon non, comme c'est l'histoire de Paul Biya politiquement, il ne faut pas que les deux réussissent. Je vous rappelle que pour nous, l'école est une vertu. Quel rapport vous entretenez avec votre père biologique aujourd'hui? Mais c'est pas possible ça. Très bon rapport, très bon rapport. J'accompagne mon père dans toutes ses missions régaliennes publiques. Je peux citer ses collaborateurs qui voient mes écrits dans toutes les institutions étatiques. Je ne triche pas. Je signe des correspondances, je mets, suis signé du chef de l'État et lui il en est notifié. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ça se balade partout depuis des années. Ça ne souffre pas au niveau de la chancellerie extérieure, ça ne souffre pas au niveau de l'administration locale, ça ne souffre pas dans la société sociale. Pourquoi est-ce que les gens s'ennuient? Moi, je vais en 2018 aux élections. J'ai la bénédiction de mon père que je puisse me présenter comme candidat. Alors, beaucoup de gens pensent qu'à 83 ans, on n'a pas le droit de citer. On doit quitter les affaires. Bon, ok, sachez qu'il y a le Biya Bis qui est déjà là. Cette fois-là, je vais le mettre B. Ça va devenir Biya Banola Georges Gilbert. Voilà, donc alors, monsieur le Président, vous entendez justement la problématique autour de vos convictions idéologiques. On en parle justement. Je rappelle que vous avez choisi de créer un parti politique qui est le Parti Républicain. Pourquoi avoir pris cette option? Pourquoi n'avoir pas adhéré au parti créé par votre père, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Je vous dis quelque chose, je ne suis pas très critique, mais je suis très observateur. Et je suis très exténué de savoir que dans notre pays, il y a la légalité institutionnelle de la prédation qui a pris corps. C'est devenu même à la limite même ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un état étatique dans un système politique. Vous pensez que je suis le seul Camerounais qui sait que
le RDPC est un maillon de prédation à 90%. Regardez comment les Camerounais vivent aujourd'hui. Je l'ai dénoncé dans d'autres médias. Je parle pas aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que je fais. Je parle, je dis non, je commets des attaques. J'ai été éditeur comme tout le monde, ceux qui sont dans le métier, j'ai été directeur de publication, je sais de quoi je parle. Et je vous estimez que le RDPC, comme le père est dans le RDPC, je dois y aller dans le RDPC. Pourquoi vous estimez que je ne peux pas choisir le contraire? Donc, par affinité idéologique. Non, je suis désolé, je ne suis pas un enfant qui court après un repas, mais je consomme le repas qui va avec ma pensée. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, ça veut dire que je ne peux que consommer ce que ma pensée accepte. Vous comprenez? Ça ne me fait pas peur de choisir. Et je voulais vous dire, et je vous le répète, ça avait la bénédiction de mon père, parce que c'est un cas école pour moi, et puis je crois que c'est mon icône politique. Pas parce que c'est le pain, hein. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, parce que ça va me prendre tout le temps d'ici, mais j'estime que il y a un couloir qui a été créé aujourd'hui. Que vous vouliez ou pas, Biya ira en retraite. Ce n'est pas un problème de, je vous l'ai dit, de transplantation politique, non. Ça veut dire que M. Aïdjo, le personnage Aïdjo, a laissé Biya et puis ça devient la continuité d'un système qui aujourd'hui, dont M. Biya lui-même décrit, c'est le seul système aujourd'hui à l'Afrique où on trouve des premiers ministres qui sont en prison tranquillement et sans dire rien à personne au Cameroun. Les gens disent que peut-être en Afrique de l'Ouest ça se passe mieux. En Afrique de l'Ouest, il y a une certaine démocratie et cette démocratie respecte la culture, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. Au Cameroun, vous respectez laquelle? Rien du tout. C'est pour cela qu'il y a le mépris qui a pris corps dans nos us. Il y a, disons que la déstabilisation, une certaine aristocratie de la prédation qui s'est installée dans nos comportements. Et ceux qui veulent être des aristocrates dans un milieu aussi pauvre, je m'interroge. Les Camerounais souffrent. J'ai décrit ça depuis des années. Je n'ai pas caché, j'ai pris position. Et j'ai du respect pour celui qui est là, autant mieux qu'il me respecte. Pas seulement comme fils, mais comme quelqu'un qui participe pour la construction de son pays. Monsieur le président du Parti Républicain, vous ambitionnez, avec l'onction de votre père, dites-vous, de briguer la magistrature suprême pour des consultations qui sont annoncées probablement en 2018. Vous ambitionnez briguer la magistrature suprême, c'est-à-dire vous présenter aux élections présidentielles. Vous comptez procéder comment, vu que vous n'avez pas, à mon humble avis, et peut-être vous allez me rectifier là-dessus, vous n'avez pas un seul conseiller municipal. Vous comptez procéder par comment vous allez utiliser l'influence de votre papa pour que votre candidature puisse être validée? Vous savez pourquoi est-ce que ça me valide? Je crois qu'il y a un modèle démocratique qui est fait. Et puis il y a des portes sorties. L'éligibilité d'une candidature peut passer par ce qu'on appelle la régionale. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle une cooptation dans les 10 régions. Et il y a un nombre de voix sollicitées pour vous présenter comme candidat. Je ne veux pas rappeler les textes de la République pour ça. Donc je n'ai pas besoin du concours de mon père pour me présenter. C'est ça qu'il s'agit. Mais là, au niveau de l'éligibilité électorale, au sorti du studio, vous posez la question, on va vous dire. C'est ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a des gens qui ont couru très vite dans les cimes, je vous l'ai dit, à l'Assemblée nationale, au niveau des mairies, à la sénatoriale. Aujourd'hui, ces gens ne portent pas bonne lueur à ceux dont ils prétendent de représenter. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que à la suite de cela, il y a une vision politique? Je dis non. Parce que tout est fait pour l'intérêt personnel. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, je suis pour que M. Biya parte, mais démocratiquement, mais avec la génération aussi. M. Biya, on estime que, je ne le protège pas, hein, je suis l'avant leader, moi, on estime qu'il est trop envahissant. Depuis les 82 ans, 83 ans, il faut réfléchir, c'est bien.
poser la question à M. Fondi, pourquoi il est là depuis longtemps. M. Bello Bouba, c'est devenu une histoire du village. Il vous dira peut-être qu'il ne gère pas la fortune publique. Pardon? Il vous dira peut-être qu'il ne gère pas la fortune publique. Monsieur Bia gère la fortune publique. Il gère une collectivité publique. Et la collectivité publique a ce qu'on appelle des assises. Et ces assises, c'est quoi? C'est la structuration d'une société étatique qui est homologuée par des institutions telles les ministères, les sociétés, la participation humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que dire qu'un chef d'État a organisé le bal masqué ou bien la mangeoire autour de lui, c'est quoi que le système en place politique, que ce soit constitutionnel, que ce soit de par les lois, ne donne pas l'autorisation à M. Biya de se servir. La preuve en est que M. Biya a des ministres dans son système politique qui peuvent avoir du goujon dans leur jardin alors que lui n'en a pas en Vomeka. Vous comprenez à peu près. Très bien. Parlons de votre philosophie ou du moins celle portée par votre chapelle politique, le Parti Républicain. Vous revendiquez quoi en termes de conviction politique, en termes de philosophie? Qu'est-ce que vous prenez à travers ce parti politique? D'abord, je revendique mieux. Quand on va dans la revendication, je ne suis pas syndicaliste. Ce sont les syndicalistes qui revendiquent. Dans un parti politique, on a une idéologie. Mmh. Et quand la mienne, c'est laquelle, monsieur? La mienne, c'est pour bâtir la continuité de ce qu'on appelle développement de mon pays. Je ne veux pas dire que ceux qui étaient là avant n'ont rien fait, mais apporter des conditions citoyennes qui peuvent booster la masse populaire. S'arrimer à la nouvelle dimension mondiale économique. S'arrimer sur le plan social en tenant compte du respect des droits de l'homme. S'arrimer, par exemple, du côté de l'intégration de la féminité, qui n'est pas effective dans la participation des actions publiques. Les femmes, comme aujourd'hui, sont prises en minorité. J'estime que ce n'est pas normal. Il y a 5% de jeunes qui ne participent pas à l'action publique pour bâtir leur pays. Ça veut dire que, je voulais dire plutôt 5%, parce que quand je parle à Ram, il y a Moutazé, il y a par exemple les jeunes comme les Mbengo et tout ça, c'est des jeunes, mais qui participent, mais qui ont des privilèges pour intégrer le système. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Il faut que le tout prochain secrétaire général de la République, je voulais dire du président de la République, soit un homme qui a 21 ans. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas normal? Il faut penser la République. Il faut repenser la République. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le Président, qui nomme aux emplois civils et militaires au Cameroun? Qui les propose? Qui nomme? Il y a un système. Qui a la signature? Qui décrète? Qui a la signature? Qui décrète? Votre père qui a la signature? Non, je dis qui décrète. Vous semblez vouloir le dédouaner. Non, pas du tout. Je dis qui décrète. Je vous dis, le processus de nomination suit un cahier de charge. D'accord? Et personne ne peut me dire que ce n'est pas vrai. Pourquoi vous devenez chef seulement de canton, même de votre quartier? Il y a une procédure. Maintenant, dans l'administration, votre CV est tendu, il faut qu'on sache d'où vous venez. Il y a un clivage qui est installé dans nos mentalités. La redistribution, comme ils appellent ça, la redistribution. L'équilibre régional? Non, ce n'est pas l'équilibre régional. Mmh. La redistribution de la nourriture, je parle comme au quartier, du gâteau national. Mmh. Mais c'est une honte. Dans un pays comme le nôtre, où on parle des valeurs scientifiques, on parle des valeurs intellectuelles, on parle des valeurs universitaires, d'accord, on se retrouve avec des gens qui pensent que pour être nommé, il faut que on pense que je suis d'une idée, je peux devenir premier sénateur, même si j'ai fait quelques pourrissements du côté de la Sonnelle, c'est pas grave. Hein, vous comprenez à peu près. Je suis un bonhomme de Colin Famba, même si j'ai fait pourrir le port autonome en laissant beaucoup d'argois, c'est pas grave. Vous faites allusion à qui, monsieur le président? Je n'aime pas parler des morts. Quand quelqu'un meurt pour moi. Vous êtes bien connu pour votre franc-parler. Mais je n'aime pas parler des morts. Je vous l'ai dit, si quelqu'un est né en Colibois, c'est pas en Balmayo, et qui s'appelait Tundi Ouino, il a fait hanter les armes.
Maintenant, les armes se baladent à Douala, partout. Nous voilà, l'insécurité s'est installée. Personne n'en parle. Au départ, on a vu ça. Maintenant, on se dit, ah, l'insécurité, tout le monde se met à courir. Monsieur Etudo Yono, paix à son âme, a fait un voyage lexique. Nous tous, c'est la même voie. Mais qu'est-ce qu'il a posé comme acte quand il était vivant? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez à peu près. Si je m'en vais éventuer le cas, par exemple, de la Sonnelle et un ancien putschiste qui s'est retrouvé dans les enclos de la gendarmerie, et que Emmanuel Avava et le général, je voulais dire, général Semengue, à l'époque, interviennent après le putsch d'avril 84, et que ce monsieur s'appelle par exemple Niat Ndjipendi, et il revient aujourd'hui comme... ce que vous dites, non, je vous le dis parce que j'en assume l'entière responsabilité. Le char à 5h du matin, moi j'allais au sport, et j'avais vu un char devant la Sonnelle. Et bizarrement, c'était lui qui était le directeur général. À l'époque. Monsieur le Président, on en parlera largement. J'espère que je ne mets pas mal à l'aise. Non, on en parlera largement. De toutes les façons, vos propos n'engagent que vous, vous semblez savoir ce que vous dites. Je voudrais qu'on reste quand même sur votre conviction politique, sur les valeurs que vous semblez vouloir défendre. Vous avez indiqué être un patriote, mais un patriote qui a séjourné longtemps à l'étranger. Oui, c'est vous qui le dites. Je suis parti, je suis revenu. Je connais le quartier Makéa. Je connais le quartier Nobel. Je connais Casa la Femme. Vous voulez me destituer par là, déjà pour dire que je n'ai jamais signé la nationalité ni américaine ni française. Je peux avoir ce qu'on appelle des relations de cette fois-là biologiques dans le cadre familial. Hein? Mais ça n'a rien à voir avec mon sens patriotique. Je ne peux pas me servir de cela pour venir être ce qu'on appelle une mauvaise graine dans mon pays. Non, pas du tout. Donc, je suis un homme qui a été toujours chez lui. Même quand je pars, je pense revenir. Ça veut dire que je sais que je suis Camerounais d'abord et je dois apporter quelque chose pour le Cameroun. Vous parliez, vous souhaitiez vous inscrire, dites-vous, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'ici, peut-être l'améliorer. Est-ce que, avec de telles idées, ceux qui vous prêtent l'idée d'un parti politique satellite du RDPC ne trouvent pas là un fondement à leur argumentaire? Si quelqu'un, sauf la mauvaise foi, le Parti républicain d'abord est un parti qui n'est pas un parti satellitaire du RDPC, loin s'en faut, c'est un parti... Comment comprenez que vous souhaitez vous inscrire dans la dynamique de ce qui a été fait? Non, avant, dans la dynamique de l'icona. Monsieur Biya, icône, ça s'arrête là. Mais l'école est l'incarnation d'un parti politique. Écoutez, monsieur, je préfère me saisir de l'idéologie, parce que moi, j'ai jamais dit à un certain nombre de Camerounais de ne pas utiliser le leitmotiv de leur président national. Si je trouve que les sciences infuses de la politique de monsieur Biya prêtent bonne oreille et est tout ouïe à mes attentes, pourquoi pas? Pourquoi les gens trouvent que c'est pas normal? Et je ne prends pas son cas seul. Je peux avoir pris un peu du côté de l'UPC, je prends un peu du côté du RDPC, mais le président national, je précise, vous comprenez, je peux prendre même du côté du MDR, et le tout, fondamentalement, m'a aujourd'hui donné une idée de ce que nous pouvons faire un bon postulat politique. Et c'est pour ça qu'on crée le parti. Et le parti a des missions régalienne publique reconnue, dont nous avons déclaré dans le critérium au Minat. D'accord. Maintenant, il est question que nous puissions mettre cela en pratique. Et il faut, pour que nous puissions mettre cela en pratique, il faut des militants. Il faut des gens qui vont soutenir cette idéologie. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Nous sommes mieux implantés à l'Hexagone. J'ai participé à l'action républicaine pour la participation de l'éligibilité du vote de ceux dont on disait certains Camerounais ne pouvaient pas voter. J'ai échangé avec M. Biya en tant qu'entité exécutive, chef de l'État, président de la République, et le temps m'a donné raison. On a donné le droit au vote. Pendant que vous aviez un certain nombre de personnes qui sont assez sévères avec eux-mêmes,
parce que eux-mêmes, parce qu'ils ne comprennent pas quelles sont les options politiques aujourd'hui peut-être de leur président national, M. Biya. Et ils disent non, il ne faut pas que les gens participent parce qu'ils sont devenus soit des réfugiés politiques ou quoi que ce soit. Ce n'était pas de bon ton. Ce n'est même pas seulement le seul cas. Et quand j'ai lancé la libellule à travers la direction du Trésor, à l'époque c'est M. Ndilé qui était comme directeur du Trésor, nous avons lancé les premiers recoupements pour la Grande Miette, je ne suis pas encore mort, où il y avait un certain nombre d'officiers qui avaient 7 à 8 cas dentés, un touché à Limbé, l'autre à Douala, l'autre se retrouvait à Batouri. On a dit non, c'est pas, il faut continuer à signer l'officier salarial, c'est ça. Nous avons lancé la campagne à travers le Sénadi, moi qui suis ici, en tant qu'individu, je prends des initiatives, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un assainissement dans le fichier salarial toujours, parce que le Sénadi, c'est le Sénadi, pardon, je voulais pas dire Sénadi, ça me venait tout à l'heure, le service se trouve à l'ancienne présidence, nous avons lancé une campagne d'assainissement du fichier et les doubles bons de caisse dont les gens fabriquaient, on a interpellé les gens, on a mis à la prison centrale, ça a apporté une certaine amélioration. Est-ce que vous savez que quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est moi qui suis ici en studio, j'ai pensé avec un jeune qui est en Russie. Nous avons pensé au péage. J'ai jusqu'aux homologations du matériel que nous avons proposé à l'époque. On n'a jamais rien demandé en retour. Vous comprenez? Et on a des documents où on a échangé à l'époque avec le ministère du Transport qui avait estimé que nous ne pouvions pas prendre disons que ce projet accord et que ce n'est que l'État qui pouvait mieux se pouvoir. Mais nous avons vu que, en fait, ça ne les a pas aidés parce que, par exemple, le DG Titi Pierre, donc Titi, ouais, tu crois que Titi Pierre, qui était aux finances, sont venus, a créé ce qu'on appelle, vous appelez les tickets routiers. Mais ça l'a plutôt enrichi. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. Quand on travaille pour son pays, il ne faut pas toujours se dire qu'est-ce que je gagne? J'ai quoi à gagner? On veut vivre. Mais il faut être plus patriote parce que notre pays attend plus. Alors, est-ce que finalement votre parti n'est pas un parti hybride? Vous prenez un peu des convictions de votre papa, vous prenez un peu au sein de l'UPC, vous prenez un peu à gauche et à droite. À la fin, on a le sentiment que. Qui a créé la science infuse? Qui a créé la science infuse du savoir? La science infuse, toutes les grandes sciences et les grands scientifiques du monde vont prendre dans une gibecière pour apporter une amélioration au niveau ce qu'on appelle du transmis du savoir. Je ne peux pas avoir honte de dire que j'ai regardé à gauche et à droite, parce que je suis dans une société commune. Tout au contraire. Je devais me mettre apprécié pour cela, parce que je comprends tout le monde. Je suis pour une gestion collective. Je ne suis pas pour une certaine gestion de la société exceptionnelle, avec quelques prébendiers qui se bombent le torse en disant je suis allé mettre en mal le trésor public, je suis allé mettre en mal le patrimoine, par exemple, le patrimoine foncier. Est-ce que ça écrit ça? Je suis venu avec des documents ici. Je veux vous faire paraffer quelques-uns parce que je ne suis pas venu blaguer. Je peux vous dire que je ne viens pas raconter n'importe quoi. Hein? Si je vous dis par exemple que M. Ingo, quand il était en prison, il a pris 765 millions au Crédit Agricole pendant qu'il était prisonnier pour accepter, j'ai des documents. Vous comprenez à peu près? Le M. Fotso dont vous me dites, il a pour 1,5 milliard, il ne paye pas. Rien du tout. Pour moi, j'appelle ça des rigolos. Vous comprenez rien du tout. Vous comprenez? On ne peut pas fonctionner dans un pays où les gens passent le temps à dire il faut caresser les gens dans le sens du poil. Mais eux, ils n'ont rien à apporter pour le pays. Ils sont là pour spolier et les biens publics, tordre le cou à la loi, hein, et mettre en mal la citoyenneté. Ce n'est pas normal. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je passe mon temps à dénoncer. Et pour les prochaines échéances, je souhaiterais et je sollicite que ça soit c'est-à-dire des élections avec des débats diffusés à travers la communication. Cette histoire d'aller voter des gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent dans la tête, parce qu'il a pris quelques motos, il s'est baladé un peu,
dans la ville avec deux ou trois voitures, et c'est terminé, il vient et vous dit, bon, écoutez, allez, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Monsieur Bia Kombali, son propre parti, vous comprenez pourquoi? Il le combat en extirpant les prédateurs. Et a pris le courage de mettre les gens qui sont dans le bureau national du RDPC. En tant que premier magistrat, monsieur, répondez de vos actes. Chief Nouni est là, non? Les attentes de Barasson là. Il faut avoir ce courage. On parlera de cette opération, je crois que c'est la fameuse opération Épervier, mais nous restons encore sur votre parti politique, monsieur le président. Vous souhaitez briguer la magistrature suprême. Pourquoi on n'a pas commencé par les municipales pour peser le poids politique de votre parti? Et aujourd'hui, à ce jour, vous en êtes à combien de militants concrètement? Oh, vous savez, pendant que je parle, les militants se reconnaissent. Je voulais simplement vous dire que le tout, ce n'est pas les municipales. Comment est-ce que je n'ai pas commencé par les municipales? Oui, je veux savoir. Il faut passer par les primaires, passer quelque part, d'accord? Nous, nous avons passé le temps, parce que je ne suis pas seul, à repenser la République, repenser la formule d'une démocratie adaptée par rapport aux élections pluralistes. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'aujourd'hui, le Parti républicain fait son travail sur le terrain. D'accord? Demain, quand nous allons briguer, le président va dire, ah ben oui, c'est parce que c'est un héritier légitime. On a juste fait un tour de passe-passe, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Nous avons créé le parti en 2013. 5 à 7 jours avant le défilé du 20 mai. Faites un tour à Yaoundé, allez aux archives. Nous avons décidé de nous retirer de 2013 à 2017. À Douala, nous sommes arrivés, on a repensé la formule. Et ça a donné ce que ça a donné. J'espère que vous avez vu la télévision, malgré quelques, je voulais dire, quelques parures de déstabilisation qui n'ont pas atteint, disons, que les objectifs sollicités. Hein. Ça fait qu'aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, le Parti républicain a ses militants. Et ses militants se contentent du fait que nous avons un programme. Notre programme, ce n'est pas d'aller faire les réunions dans les carrefours où on installe un certain nombre de maires, comme j'ai vu à Yaoundé 6, on va installer quelqu'un dans un carrefour, les gens ne peuvent plus circuler, et quelques jours plus tard, ce monsieur a plein des casseroles, et puis voilà, on se porte des plaintes entre nous. C'est pas ça le parti politique. Le parti politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est une entreprise qui a un programme économique, qui a un programme social, qui a un programme thématique. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez avoir ce programme comme nous le faisons nous, pour qu'il y ait un suivi. Et chez nous, ce qui va vous étonner, nous n'acceptons pas des prédateurs. Dès qu'on découvre que vous êtes prédateur, on vous expose. Hein. Tout de suite, on vous expose. Ne croyez pas que quand vous allez venir avec 3 cartes d'identité, vous êtes un imposteur, et puis vous dites que non, vous allez venir nous donner quelques subsides. Non, c'est pas ça. Les cotisations et les quêtes se font pour que le parti puisse avoir de l'énergie pour fonctionner, mais nous ne sommes pas là pour cacher un certain nombre de prédateurs. Il y a des gens qui viennent me voir, qui estiment que bon, je vais être dans ton parti, je vais mettre ceci, je lui dis, mais attends, cet argent te sort d'où? Parce que demain, on nous posera la question. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut que nous sachions. Et si nous découvrons que pendant que nous y sommes, vous n'êtes pas un bon militant, on vous dit, monsieur... Monsieur le Président, qu'est-ce qui fait des choses, il faut les respecter. Est-ce que votre parti un bon militant? Militant, ça veut dire le respect. D'abord, des idées, la liberté d'écouter, c'est-à-dire les autres, vos autres camarades, et d'échanger, les initiatives. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes un recteur, parce que nous, on appelle les représentants de section, par exemple, des recteurs, si vous êtes un recteur, par exemple, dans le littoral, et qu'à un moment, nous estimons que vous avez posé des actes louables pour le parti, il va falloir que vous ayez le cahier de charge. Et ce cahier de charge, le parti l'a défini dans son fonctionnement. C'est pour ça que j'ai cité quelques paramètres. Si vous omettez, on vous dit non. On n'est pas d'accord parce que nous devons être
un cas école, un bon exemple. Et le bon exemple, c'est de ne pas être prédateur, prendre la carte du parti, ou bien prendre l'initiative à travers le parti, aller faire ce qu'on appelle de l'arnaque. Hein? Il y a des gens qui créent les partis pour le mettre dans leur maison, devenir des propriétaires de partis, de temps en temps aller déposer. C'est pas le cas de communiquer. Non, j'ai entendu parler que certaines personnes, par opposition, peuvent dire aux autres, comme tu es dans la maison de mon père, bon, porte ton parti, pars avec. Et on va dans la préfecture de Douala, on dit non, l'autre ne peut pas, n'a pas le droit de postuler comme président parce que c'est mon parti à moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je voulais dire quelque chose à l'endroit du parti au pouvoir. Il faut que les gens fassent un peu attention. Monsieur Biya n'est pas un roi qui a besoin de l'idolâtrie. Parce que ses camarades du parti se trompent beaucoup. Hein. Parce qu'il n'est pas éternel. Il est né, il a grandi, il a fait un chemin. Et demain, Dieu va le rappeler. C'est la même chose pour moi. Donc, tu ne peux pas être un bon croyant et dire, non, comme le président est là, comme j'ai fait des ardoises, j'ai pris beaucoup de... J'ai détourné les maisons à Bonapiso, j'ai déposé les titres à la CBC, je m'appelle Yves Michel Fouto, j'ai acheté une villa du côté de Bonapiso avant que je n'aille en prison, c'est la maison de l'État, ce n'est pas grave, et un certain nombre de choses. Regardez, Douala, comment il doit l'expolier. Tous les deux, les États ont été dévorés. J'ai des titres fonciers avec moi ici. Je peux vous les montrer, j'en ai. Allez-y, monsieur. Non, non, je peux les montrer. Vous savez, je suis venu pour vous dire, écoutez, je ne viens pas, je ne suis pas un rigolo qui vient vous dire des choses parce que je veux faire plaisir. Voilà un titre. Ce titre, je trouve ça trop amusant. Voilà un titre foncier, par exemple. Le titre 53-17. Ce monsieur va vous dire qu'il vend le terrain. Voilà. Ça, c'est une déclaration, par exemple, descriptive de ce terrain. Et il est propriétaire disons, d'un immeuble bâti, au lieu dit Bonadjo. Un, Bonadjo est un quartier administratif non cessible. Ça veut dire que depuis les années 68, selon le plan cadastral et de masse, il n'y a pas de cession dans ce quartier. Ça veut dire quoi? L'État n'a jamais vendu un mètre carré. Je mets quiconque en défi. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un contrat de bail amphithéotique. Vous ne pouvez pas venir déclarer, dire oui, je suis propriétaire. Et ils vous font un petit schéma comme ça. Ils passent leur temps à spolier les banques. Et ces banquiers sont des mauvais banquiers. Et je peux vous en montrer comme ça. Je vais vous montrer, par exemple, un document qui est, voilà, un avocat qui a 32 villas, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est monsieur Nonchon. Voilà. Titre 2215, c'est signé. Ses enfants se battent même pour les biens de l'État. Mais c'est des faux titres. Qu'est-ce que cette affaire fait au tribunal? Mais les magistrats, c'est même une honte. Comment quelqu'un peut avoir 32 villas dans un parchemin public comme Bonapiso? Vous imaginez? Dans un milieu à Bonapiso, au lieu de dire, je voulais dire, là où le bureau ASECNA se trouve, ou bien le groupe ASECNA, qui est une entité publique. Vous imaginez qu'il y a eu des financements de 7 et 9 milliards. Allez poser la question au monsieur qui est PCA là-bas. Les gens qui sont partis en prison à Kribi, là. Quand vous vous donnez le crédit de 7, 9 milliards non justifiés, au sorti d'ici, demain matin, allez voir, ils ont dit, réaménagement, tampion. Vous allez là-bas, vous allez trouver la broussaille. C'est un maigre immeuble qui sont allés planter, ça a coûté 16 milliards, cet investissement. C'est de ça qu'il s'agit? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils sont nombreux. Et j'interpelle comme ça les Sawa de se lever et dire non. Vous faites un appel à l'insurrection? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez,
Ne confondez pas un droit à l'insurrection. Vous ne pouvez pas venir vous imposer dans le village de quelqu'un et lui-même devient locataire. C'est de ça qu'il s'agit. On nous bat les roues tous les jours. Ces gens ont eu les immeubles là où quand? Ils sont assis dans les immeubles de l'État, la plupart. Les ayants droit sont où? Est-ce que c'est normal qu'on bat la route publique parce que quelqu'un a eu un deuil? C'est de ça qu'il s'agit? On posera peut-être la question au... au chef de terre, hein, qui délivre parfois des... Non, ce n'est pas le chef de terre. Il y a... Non, ils sont là pour recevoir des déclarations. Mais il y a un processus, il y a une identification par les us traditionnels. Il y a des chefferies qui existent. Dans des pays sérieux, on identifie à partir de ces us qui fait quoi, qui est quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Monsieur le Président, on sort de votre parti politique pour aborder quelques questions d'ordre, de quelques sujets d'actualité. Vraiment, dernière question sur votre parti politique. Vous comptez d'embriguer la magistrature suprême. Vous avez réuni le cautionnement électoral nécessaire. La somme de 30 millions ne vous effraie pas? Vous pensez que c'est un montant que vous disposez? Quand vous regardez ma tête, je manque 30 millions. Ou bien vous pensez que je suis rigolo qui est venu se balader? J'ai plus du temps, hein. J'ai 55 ans révolus. Donc ça veut dire que je suis présidentiable. Si j'estimais que je peux être que ministre ou quoi que ce soit, j'aurais pesé de mon poids pour dire à mon père, dis-donc, place-moi quelque part, que je grignote. Mais je ne suis pas un grignoteur. Il le sait, il sait que je suis un homme qui aime son pays. Et pour moi, il faut que ce pays soit debout, parce qu'il est assis. Ce pays est comme une femme qui a une grossesse, qui est fatiguée et qui n'a même plus d'énergie. Monsieur le Président, comment vous arrivez à faire un diagnostic aussi impressionnant et vous semblez vouloir dédouaner la responsabilité de votre père? Ce n'est pas le dédouanement. Biya ne gère pas ce pays seul. Il gère avec. D'accord? Que chacun à son niveau joue son rôle. Et j'ai toujours dit, le jour où vous aurez des preuves, apportez-moi les preuves, je viendrai dans votre studio, je dis que, mais je n'étais pas au courant. Et je lui dis, papa, mais je n'étais pas au courant que toi aussi, tu étais un prédateur. Ah non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne croyez pas que je suis dans un discours où je joue les petits malins. Je ne suis pas là-dedans. Vous comprenez? Comme vous voulez ou pas, si moi je ne dénonce pas, et que quelqu'un a la preuve, quand M. Biya, il vient à dénoncer. Depuis, j'attends. Bon, les gens vont dire, ils ont peur de quoi? Il y a des gens qui ont dit des choses. Les gens ont commis des livres, ils sont devenus des rédacteurs en prison. On a vu. Vous comprenez? Mais ceux-là n'ont pas eu le courage de nous dire que le beau-frère avait piqué 1,5 milliard. Faites allusion à qui, monsieur le Président? Et que un certain Djibouti était au courant. Bien sûr, le Djibouti qui avait été interpellé à l'époque, avec un certain Loussac, un certain ami, du côté de la DPJ, avec beaucoup de sacs de chanvre. Vous pensez qu'on ne va pas venir dire ça ici parce qu'on va faire des cadeaux aux gens? Moi, je ne suis pas dans cette messe-là. Vous comprenez? Et le 1 milliard, bizarrement, qui était destiné au beau-frère, bizarrement, il est mort d'une manière mystérieuse, paix à son âme, et la sœur est restée. Heureusement que c'est le chemin de tout le monde. Suivez mon regard, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas continuer à mener les gens en bateau parce que vous estimez que ceux-là ne vont pas parler. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux parler de Marafa. C'est de ça qu'il s'agit. Marafa a son frère qui est à la douane, vous n'êtes pas au courant, M. Boukar. Il a été directeur de ressources humaines pendant toute la période de Miamba Lukiri. Vous savez combien d'argent ils ont piqué? Moi, j'ai dénoncé ça dans mes colonnes, dans mon journal, à l'époque du démenti. Qui a été sanctionné, on parlera la journée. Ça n'a jamais entendu sanctionné. Je voulais vous dire quelque chose, hein. Vous vous trompez beaucoup. Je n'ai jamais, j'ai quitté la scène parce que j'ai estimé que celui qui est aux affaires, il a une tête qui ne scie pas mes attentes. Très bien, on parlera peut-être de ça tout à l'heure. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on aborde quand même quelques sujets d'ordre thématique. D'abord, la fameuse question de l'opération Épervier. Que pensez-vous de ceux qui affirment aujourd'hui que finalement, au regard de la tournure des événements, c'est une opération d'épuration politique? Oui. Le discours... peut-être aujourd'hui rime aux attentes parce que il y a un problème dans le Grand Nord. On parle de Boko Haram, d'un terrorisme voilé. On
quand on va du côté du nord ou du sud-ouest, de l'est déjà ça commence à s'installer. Vous comprenez, donc c'est un peu ça. Mais c'est des histoires. Je vous dis pourquoi. Qui parmi ces gens peut dire je n'ai pas volé? Non, on a pris pour 4 milliards, maintenant on a trouvé seulement 100 millions. C'est son argent. C'est l'argent de l'État. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller spolier les caisses de l'État? Quelle mesure l'État? D'accord. L'État a-t-il pris? Justement, je pose la mesure, c'est quoi? L'article 66 de la Constitution, jusqu'ici, n'est pas... N'est pas déclaré? Oui. Le processus est sollicité par qui? Allez demander à Flou de déclarer à Tarin Kong combien d'immeubles il a. Il va vous dire que... Tu es qui? Tu viens me poser les questions. Les gens qui parlent beaucoup là, les Kamtou, tous ces gens-là, ils disent quoi? Ils disent rien du tout. Rien du tout, puisqu'ils ont des ardoises. Ils peuvent poser des actes. Et eux, ils veulent l'article 66. Est-ce qu'il y a eu une marche dans cette République? Je ne vais pas témoin, vos téléspectateurs. Où les caméras ont dit, monsieur Biya, nous voulons l'application de l'article 66. Les gens s'asseyent chez eux, font dans le lucre, et racontent une histoire à dormir debout. Oui, il faut l'application de l'article 66. C'est une revendication alors. Celle-là, c'est une revendication. Les textes. Les lois ont été votées. On n'a qu'à les mettre en application. Combien de Camerounais, je dis même parmi les leaders, ceux qui ont les partis politiques, s'il y en a, nous sommes peut-être 300 partis politiques, peut-être 30 ou 40 se font ressentir, mais allez poser la question, il y a peut-être deux ou trois. Il y a ma jeune petite soeur qui a un parti politique là, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Donc, elle a osé au moins dire l'article 66. John Fundy ne peut pas demander. Il a des ardoises. L'article 66 me dit ceci. La déclaration des biens. Quand on va demander à Fundy que, bon, déclare même toi-même tes biens, il va faire comment? Ça devient difficile. Il doit de l'argent à Cameroun Bank. En passant, la défunte SCBCL, la SCB, pas CL. Si vous allez faire un tour là-bas, il est dans la cuite. Il est dans le répertoriel. Vous faites un tour au Fogapé, vous trouvez les mêmes gens. Vous faites un tour à la SGB, vous trouvez les mêmes gens. C'est les mêmes qui prennent des crédits, c'est les mêmes qui contactent. J'ai des documents ici que je peux vous montrer parce que je ne suis pas venu, je ne suis pas venu me balader. Voilà un document. Je montais rien qu'une page. Et vous avez mis le temps quand même de lire deux choses. Parce que s'il faut parler de choses, c'est simple. Hein, je ne veux pas être très long pour que les téléspectateurs ne soient pas... ne se fatiguent pas très vite. Je vais vous montrer. Vous allez voir que... Voilà. Je vous lis une petite liste. On appelle ça... Je vous fais un petit gâteau. Voilà. Groupe Mohamedou Abo, 1 732 908 995 francs. Ça c'est le crédit à Agricole. Et celui qui est liquidateur, 9 ans, on n'a jamais appelé. Et Kandé, on l'a jamais appelé au tribunal. Il a tué le poulet en prison, il est même dans le même AVC déjà. Vous imaginez ça? Groupe Kadi de Fosso. Je l'ai aperçu dans un avion apparemment avec une très jeune fille de 26 ans, c'est bien, mais il épouse ses femmes avec notre argent. 1 289 691 513. Groupe Doé, toujours les mêmes, la prédation Fulbert, 1 233 087 706. Quand vous avez maintenant monsieur Embo Désiré, c'est bien écrit noir sur blanc, je ne sais pas. Peut-être je dis des choses, peut-être ça peut vous mettre mal à l'aise. Il faut qu'on voie, hein, parce que je peux dire des choses, on dit qu'il est en train de lire, voilà. Voilà la liste ici, je m'excuse, voilà. Voilà les noms ici, où vous allez bien voir que monsieur Ingo est bel et bien en prison à cette période. Pendant que la banque fonctionne, comment se fait-il que monsieur Ingo se retrouve avec un emprunt de 717 759 397? Vous pensez que c'est un pays sérieux? Que tu es un prisonnier qui a été condamné plusieurs fois pour avoir spolié? Est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que M. Paul Biya est au courant de ça? Je dis non.
Oui, moi, son fils, je suis au courant et je dois mettre ça à la place publique. Et quand il y avait accès à votre père, comment ça se fait qu'un document comme celui-là, vous ne l'avez pas brandi? Je le brandis quand on peut. Et il y a la magistrature qui doit faire son travail. L'action publique devrait déclencher pour ça. Il y a un système qui a été mis, vous avez voté les lois, vous n'avez qu'à les mettre en pratique. Et comme pour dire l'homme au cigare, groupe Onobiono, c'est ça, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Groupe Onobiono, 385 millions. Quelqu'un qui n'a même pas payé sa dernière patente de Citabac. Vous imaginez ça? 385 millions, 588, 568. Je le mets en défi. Si ces chiffres que je donne, je suis prêt pour une autre émission, ne sont pas vrais. Quand vous vous retrouvez avec une dame, quand vous m'entendez dire que Franck Biya n'est pas le fils de Paul Biya, les gens disent, oh, il n'aime pas ce gars vraiment, c'est parce que lui, il est tout. Il n'est pas le fils de Paul Biya. Votre Franck Biya, là, ne veut pas défendre son père. Donc, papa est bon quand tu manges les gâteaux, tu portes les cravates, tu spolies les gens, tu arnaques les gens, tu escroques les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, je vous donne le nom d'une femme qui se passait pour être la nièce de Paul Biya. Et d'autres vont la reconnaître. Mbani Marie-Jeannette. Cette femme se passait, tu sais pour qui? La nièce de Paul Biya. Elle a eu une sanction entre les mains de M. Andy Tchoungi, vice-premier ministre, paix à son âme, dans l'opération de ce qu'on appelle les élections de 2011. Vous comprenez? Mais vous me regardez pourquoi? Je parle avec des documents. Parce que quand je dis les choses, vous parlez, je ne viens pas faire de la flagornerie. Très bien. Voilà. Est-ce que... Bani Marie-Jeannette, laissez-moi parler. Allez-y, monsieur le président. Allez-y. Je ne suis pas venu me balader ici. Allez-y, développez. Mbani Marie-Jeannette a vendu sa maison à l'Améro, l'ancien ex-directeur général du Fogapé. Je voulais dire le contraire. Ça veut dire l'Améro a vendu à Mbani Marie-Jeannette. Je voulais vous faire rigoler un peu. Vous savez, la belle-fille de qui elle était? L'ancien, le défunt président du conseil d'administration de la CNPS, suivez mon regard. Elle s'était même islamisée, drôle de nièce de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Et je peux vous démontrer, j'en ai plein. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous faire un peu rigoler. Et je veux vous donner l'occasion de toucher ce document pour que vous le sachiez. Voilà. Voilà un document là où le ministre Sadi a décidé de mettre en mal la République. Il cherche l'argent pour les élections, pour renverser son propre président national. Quand je veux dire ça, les gens vont dire qu'il aime trop parler. Voilà le document. Il crée une société qu'on appelle COSIN, Corps Sanitaire International du Cameroun. Met son beau-frère à la tête de cette institution qui s'appelle Bayila Maurice, qui est en fuite en ce moment en République centrafricaine. Je parle avec, en disant ce qu'il y a, sans ajouter un S de plus. Il y a des gens qui ont été spoliés à travers cette autorisation. Vous savez comment ils faisaient? Ils ont fait comprendre aux gens que COSIN était une histoire liée à Rome et que c'était le corps sanitaire qui s'occupait particulièrement de l'agenda professionnel du pape. Et c'est M. Sadi René, voilà sa signature, qui signe le document. On a spolié les gens, spolié les Camerounais, spolié les propriétaires de boutiques qui n'ont pas été payés. Si vous avez une boutique, ils viennent prendre un salon et vous font un faux bon de commande. J'ai l'impression que vous êtes bien fatigué. Non, allez-y, vous êtes en train de développer. Parce que je voulais vous ne pouvez pas me distraire. Non, je ne vais pas vous distraire. Je fais rapidement le cadrage. Effectivement, ce n'est pas un recadrage. Je suis dans la politique. Vous êtes dans la politique. Je reste dans la politique. Restons justement sur la thématique qui semble nous intéresser. Est-ce que ça vous gêne que je parle de Sadi? Ça ne me gêne pas. Ok, donc je sors alors les preuves.
Monsieur le Président. Voici un bon. Ouais. Permettez, on va revenir là-dessus. Non, voici un bon. C'est aussi le principe de l'émission. Je veux justement qu'on reparle d'abord et on reviendra sur ce bon. J'espère qu'on ne vous a pas envoyé un SMS. On reparlera de tout ça. Je voudrais justement qu'on reste, quand même, qu'on apprécie cette opération. Ouais. D'accord, vous avez brandi quelques documents. Donc vous non, les documents. Vous dites quelque chose. Je ne sors pas les documents. Donc vous assumez. J'assume la responsabilité. Monsieur l'opération Épervier, dans le déroulement, n'avez-vous pas le sentiment aujourd'hui que cette mission ou cette opération dont l'objectif était l'assainissement des deniers publics aujourd'hui a véritablement échoué? Ça n'a jamais échoué. La direction de la protection civile... Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez le montant des remboursements et le montant de l'argent déployé justement dans le cadre de la procédure, vous avez le sentiment qu'on a beaucoup avancé? Non, on a beaucoup avancé. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons d'abord un processus. Il faut découvrir deux choses dans ce qu'on appelle la procédure judiciaire. Il faut que les auteurs soient à découvert, il faut que la procédure soit ficelée, il faut que la justice s'en saisisse, il faut une bonne courtoisie au niveau de l'analyse du dossier et de l'étude du dossier avant de le mettre, par exemple, dans un tribunal comme au TCS. Vous comprenez à peu près? Quand la direction de la protection civile du Minat se brûle, on ne pose pas la question et on ne nous dit pas combien d'argent on a perdu là-bas. Vous comprenez? Si par exemple, vous brandissez en disant aujourd'hui que ça a raté en quoi? Monsieur Biya, en tant qu'entité institutionnelle, premier magistrat, a dit stop. Il a lancé une campagne d'assainissement dans son propre gouvernement. Les Chief Enoni, les Ababa, les Sadi vont suivre. Les Atanakuna. C'est ça qui vous fait peur? Le problème, ce n'est pas l'arrestation. Le problème, c'est le remboursement des dettes. Une fois que la juridiction, vous pensez annoncer sur la question, je vous relance, monsieur le président. Oui. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, au vu du montant qui avait été annoncé par le ministre de la Justice aujourd'hui, vous estimez que cette opération porte des fruits? Mais ça porte des fruits. La preuve en est aujourd'hui que vous voyez que les ennemis de la République font quand même attention. Si moi je me décide qu'entre le 8 et le 11, je m'appelle Sadi, je m'en vais garder mon argent dans le Niagara. Vous savez, le Niagara, c'est le Nigeria. Hein. Je fais une petite mission en passant par Douala, j'habite au Sawa et tout ça. Vous savez pourquoi je donne les points? Pour que les gens ne se trompent pas. C'est ça qu'il s'agit. Vous voulez qu'on dise des choses, mais il faut dire des choses vraies. Parce que on ne peut pas rester. Et vous dites, non, vous critiquez le système. Non, l'action, disons que l'épervier a raté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le cahier de charge a été respecté. Il y a eu des difficultés, certes, mais les résultats sont là aujourd'hui. Le pays, seul pays au monde où on a trouvé deux secrétaires généraux en prison, ce n'est que le Cameroun. Un premier ministre en train de couper là. Donc vous voulez dire que Chief Enoni ne connaît pas de quoi il s'agit? Allez poser la question à son épouse. Elle va vous dire. Vous n'avez jamais su que M. Chief Enoni avait un vœu, à l'époque, directeur général de la Standard Chartered. Vous étiez encore plus jeune sur le mort. Hein? On posait des actes et des balises pour éventrer les sous des Camerounais. Vous comprenez à peu près? Mais M. Mvengvi, non? Vous comprenez? M. Chief Enoni qui a posé des actes, il est là. Vous ne pouvez pas aller investir à Dubaï, parce que vous vous appelez Chief Enoni et vous estimez que le Cameroun doit être appauvri parce que vous avez la signature. Monsieur Enoni a entériné des faux projets pour tromper le chef de l'État en faisant habiter des Camerounais aussi dans le grand gangstérisme, entre guillemets, j'habille un peu, du côté du Montfébé, de l'hôtel Montfébé, où on payait rubis et oncle. Donc pour vous, cette opération avance dans la bonne direction. Mais elle avance logiquement en fonction du temps. C'est de ça qu'il s'agit. Que répondez-vous à la Commission des Nations Unies des droits de l'homme qui pense aujourd'hui qu'il y a quand même des prisonniers politiques au Cameroun? On évoque le cas de, justement, Marafa Hamidou Yaya, qu'on considère comme un véritable prisonnier politique. J'ai l'impression que les gens n'ont pas compris l'affaire, là. Vous avez bien lu le rapport, là. On dit selon les déclarations. On dit selon les déclarations. Apparemment, il n'y a pas une fixation. Est-ce que Maraf est un homme politique? C'est un fonctionnaire.
qui a mis à mal les caisses de l'État et qu'on reproche quelque chose. Est-ce que nos partis politiques du Mara, c'est lequel? Il est leader comme moi, je suis président du parti républicain de qui? Et vous me parlez de quelqu'un qui... RDPC. Mais il est peut-être un militant du RDPC. Faites-le lire, non. Non, c'est faux. Comment ça? Je suis désolé. Il milite pour le parti du président national qui s'appelle Paul Biya. Moi, je parle en tant que leader du parti républicain. Moi, la façon d'où? Il n'a pas une voix délibérative. S'il voulait faire de la politique, il démissionnait. Il crée un parti politique. C'est ça qu'il s'agit. Là-bas, il aurait dit, voilà, on m'en veut, on me veut, tu ne peux pas être un militant et tu obéis aux règles d'hygiène d'un parti politique. Et le mardi matin, quand le leader comme nous, on vient s'asseoir pour dire des choses, toi aussi tu dis, vraiment, on me garde à la... Bon, si on laisse même Arafat, son parti qu'il représente, supposons, il va représenter quel parti? Il parle bien chez moi, je ne peux pas l'accepter. Il est qui? Il sort d'où son parti? Parce qu'on fabriquait vos gens dans le couloir là. Non, il est homme politique, il n'est pas homme politique. Quand tu es un homme politique, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous quittez la rame et vous dites, ok, malgré que j'ai des casseroles, je m'en vais de l'autre côté. Ça, on ne peut pas refuser cela à Kamto. On ne peut pas refuser à Zunga, qui a démissionné, qui a créé un parti politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un monsieur qui a encore la carte du RDPC, il est même dans le bureau national, il n'a jamais démissionné. Depuis que Malafa parle, est-ce que Malafa a écrit sa démission? Il est dans le... Il est encore écrit, il est en train de dire, président, je vais essayer de voir comment tu peux arranger ma position. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, il n'a jamais démissionné. Très bien. Parlons de l'autre thème. Voilà. Vous savez que l'on a célébré également la journée de la démocratie. C'est peut-être l'occasion de revenir sur l'évolution de ce processus au Cameroun, puisqu'il s'agit d'un processus. On avance, on recule, on avance dangereusement vers la mauvaise direction. D'accord. La petite direction. La restriction des libertés, par exemple, les manifestations publiques. Je vais vous dire. Victimes quelques partis politiques, ce sont des régressions aujourd'hui. C'est un mal, la démocratie au Cameroun, vous ne pensez pas? Je vous dis quelque chose. Les partis politiques, naturellement, au Cameroun, vivent comme des pôles d'attraction du réseau de l'enseignement. Vous savez comment ça fonctionne? Je vais vous donner cette information sur l'ALPA. Quand vous créez un parti politique, parmi vos militants, il y a un qui sert la DGRE, l'autre sert la sûreté nationale. Un autre vient, il vous dit que je suis un militant en Bandjok. Il sert la gendarmerie. C'est un agencement. Dès qu'on fait une petite réunion, bulletin, il oublie que à tout moment, il peut être d'une idée. C'est pour cela que quand vous allez déposer une requête auprès d'un bureau préfectoral, ce que l'agent de renseignement donne comme affiliation de votre personne, c'est ça qu'on prend en considération. C'est de ça qu'il s'agit. Ça obéit à une certaine règle, une certaine biologie qu'on a mis en place. Vous comprenez? Et dès lors que vous n'avez pas ce qu'on appelle des militants engagés, qui connaissent faire la part des choses, il se pose un problème. Vous comprenez? Et regardez, à l'époque, nous, quand on faisait dans le journalisme, on va faire la couverture d'une manifestation, vous trouvez quelqu'un qui a la carte, on dit presse, alors que le gars, c'est major de police, il est inspecteur. Tu regardes l'autre, tu dis, mais le gars là, je le vois, toi, la gendarmerie. Et il vient s'asseoir. Moi, quand je vois ça, il dit, monsieur, descendez. Allez à votre poste de travail. Comprenez? Parce que ce n'est pas normal. Et cette infiltration a été imposée par des gens comme les Conchukomini à l'époque. Parce qu'on estimait qu'il faut que la paix soit surveillée. Vous comprenez à peu près? Donc, autant de mécanismes qu'on met en place met en mal une certaine démocratie. Je suis d'avis avec vous. Mais je suis tout de suite et d'accord avec moi que la démocratie avance de sa manière au Cameroun. Très bien. De sa manière laquelle? Celle qui consiste à avoir l'exécutif, celle qui consiste à avoir un président du conseil de la magistrature et qui a tout le temps cette épée de Damoclès qui plane sur la tête des magistrats.
cet état. Qui vous a même dit? Le président du Conseil supérieur de la magistrature, sauf mais, si vous voulez, si mais, vous apprendre quelque chose. Je suis sujet d'actualité. Non, je suis d'accord. Justement, vous pensez que quand il préside le Conseil de la magistrature, il peut s'asseoir seul et dit, monsieur, vous ne faites plus part du parti du corps. Vous savez qu'il a une voix prépondérante au cours de ce. Mais quand on parle de voix prépondérante, elle n'est pas délibérative. Elle est collective. Elle n'est pas, elle ne peut pas dire, monsieur, vous n'êtes pas une partie du corps. Elle n'est pas délibérative. Il a un pouvoir prépondérant, ne veut pas dire qu'il peut décider comme ça, c'est magistrat seul. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le chevauchement entre l'exécutif et le législatif, comment vous trouvez cela? On est un parlement aujourd'hui bicaméral qui coûte extrêmement cher à l'État du Cameroun. Oui. Mais de ce parlement bicaméral-là, aucune proposition de loi n'a prospéré jusqu'ici. C'est ce que vous dites. Vous en connaissez un seul, monsieur le président ? Ceux qui sont à l'Assemblée font quoi là-bas ? Ceux qui sont au Sénat, ils font quoi ? Ils votent les projets de loi. Ils votent les projets de loi. Qui demandent de l'exécutif et qui sont proposés. La présidence. Qui sont proposés. Et qui sont validés par la majorité obèse du parti au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Le FDPC a su se faire un bon ventre et a avalé les autres. C'est ça que ça dit. Parce que moi, c'est vraiment un handicap. Ce n'est pas un handicap. Je vous dis, quand quelqu'un reste dans le parti au pouvoir, c'est parce qu'il a une vision. Quand il vote une loi qui avantage le parti ou bien le système politique en place, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. C'est ça qu'il s'agit. Mais maintenant, quand vous estimez, parce que j'ai suivi dans les débats, oui, le président de la République décide de tout. La voie délibérative n'est pas la voie prépondérante n'est pas la voie délibérative. Il faut bien. Et c'est la même chose dans tout ce qu'on appelle dans toutes ces commissions. Quand vous le dites, quand on vote une loi, il y a ce qu'on appelle les antichambres. Et ces antichambres, il y a les chambres économiques, il y a les chambres, il y a une chambre sociale et tout ça. Quand quelqu'un va voter, il vote en âme et conscience, il dit, moi je m'en vais voter. Et vous estimez que ce n'est pas normal? Quand les gens disent, je suis dans le RDPC, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils sont dans le RDPC. Et quand ils jouent dans le RDPC, ils savent pourquoi ils sont là. Pourquoi vous estimez que les gens disent, allons voter le RDPC, ils soutiennent le RDPC, ils votent les lois. Et là, maintenant vous dites que Paul Biya doit chasser tel député qui n'a pas respecté ceci. Mais il y a un processus qui est mis en place. Vous ne pouvez pas éroder les lois. Au même moment, vous voulez qu'on les applique. Qui éronde ces lois? Mais la demande fantaisiste d'un certain nombre d'imposteurs de la République. Quelqu'un se lève et dit, vraiment, comme vous voyez là, le président de l'Assemblée nationale, il fait les marchés, il a une société d'assurance. Hein? Et cette société d'assurance fait dans la concurrence à l'Assemblée. Il finit de parler et il dit, il fallait que Paul Biya ferme la société. Quand Kava il a créé sa société d'assurance, Paul Biya était, est-ce qu'il n'est pas camerounais? Si ça ne veut pas faire une cohabitation par rapport à ces différentes missions régaliennes, on n'a qu'à dénoncer cela. Et on sait là où le faire. Pourquoi est-ce que l'action publique ne déclenche jamais? Tout ce que je suis en train de dire ici, demain matin, est-ce qu'on peut appeler le fils de Mélenchon? On lui dit que, mais, toi-même, tu habites là-bas, dans une maison, là. Le type a parlé d'un titre force. Ton père avait fait comment? Pour avoir beaucoup de maisons comme ça. Rebecca est venue au Cameroun pour discuter les maisons de l'État. Elle était soutenue par le secrétaire général du ministère de la Justice. Laissez-moi parler. Monsieur le Président, vous semblez donner l'impression que le président de la République, devant toutes ces réalités, est impuissant. C'est ce que vous essayez de dire. On a voté les lois. Oui. Est-ce que Paul Biya peut décider qu'on ferme ou mal fermer la télé là? Il y a une procédure. C'est ça qu'il s'agit. Les éléments de réponse et les instruments. Les projets de loi qui arrivent à l'Assemblée nationale émanent de qui exactement? Émanent de Paul Biya, c'est ça qu'on vous a dit? Je vous pose la question. Mais émanent du gouvernement en place. Et le gouvernement en place
utilise le système, le répertoire analytique, et à travers cela, ils font des plus fortes propositions. À qui? À l'Assemblée. Sans avoir reçu l'onction du chef de l'État? On a écrit quelque part que faites, si vous ne faites pas, si vous ne votez pas, demain matin vous partez, apportez-moi le papier. Donnez-moi le papier là au point de dire que demain matin, si vous ne votez pas la loi, ok, tout le monde dort. Comment comprendre justement que dans ce Parlement, on n'ait pas de proposition de loi jusqu'ici? Mais attends, c'est vous qui me dites. Est-ce que vous savez que le président de l'Assemblée, qui va prospérer, qui a dépassé le demain matin, décider qu'il y a une extraordinaire. Il faut qu'on dépose M. Paul Biya, on en a marre. Est-ce que vous savez qu'il a cette force? En respectant les textes de la République. Mais vous me regardez pourquoi? Il n'a pas cette capacité. Il a les lois, les instruments sont là. Il a qu'à les utiliser s'il n'est pas Paul Biya. S'il ne veut plus Paul Biya, il dit Monsieur Paul Biya, monsieur, on vous dépose. Est-ce que vous savez que le président de la Cour suprême peut intenter une procédure contre le chef d'État selon les lois? Que quelqu'un appelle, je ne sais même pas si vous êtes là, si c'est un peu que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai. Les nations, vous ne les appliquez pas, vous dites que quoi? Mais vous me regardez, démentez-moi. Monsieur le Président, Vous avez changé, je me permets justement, nous ne changeons pas. J'ai les moyens de mettre en place et mettre en application une loi. Oui. Je peux intenter une procédure contre le chef de l'État. D'accord. C'est ce que vous essayez de dire. Monsieur, dans notre pays, vous semblez oublier qu'on est au Cameroun. C'est made in Cameroun. Oui. C'est made in Cameroun. C'est une démocratie à la française. Je suis désolé. Ce que je dis est en droite ligne avec les institutions et les lois. D'accord. Je vous dis que le président de l'Assemblée, demain matin, peut décider, monsieur, en extraordinaire, on dit, un point, monsieur Paul Biya débat autour de sa gestion pour au Cameroun. Les gars disent, nous ne voulons plus. Ils votent. Mais monsieur, on prend acte. Que quelqu'un vienne me dire que constitutionnellement, ou les lois ne prévoient pas ça. Vous protégez les gens parce que vous avez vos prébendes, que vous êtes là derrière. Vous commencez à raconter, mais pourquoi? Monsieur le Président, sortons de ce sujet autour de la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes fatigué, vous me dites. Dernier sujet sur d'autres questions d'actualité. On va évoquer notamment, vraiment en un mot, avant d'arriver au côté cour et côté jardin. Malheureusement, c'est aussi le principe de ce programme sur la crise anglophone aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous en faites? D'abord, je vais appeler cette crise la crise d'Atangandji. Le ministre conseiller qui se balade. Vous savez pourquoi Paul Biya se balade avec lui? Comme il a dit que Paul Biya, Mosgo, hein? Ils sont deux. Il se balade avec l'autre qui est géant. Moi, je l'appelle souvent Tom Dollar. Le jour où l'avion va péter, ça va péter avec eux tous. Moi, je ne cache rien. Parce que je sais que Atangandji, c'est lui qui est le jour et la nuit. Depuis que Atangandji est arrivé dans le système du renouveau, les tracts sont nés, les enlèvements sont en place. Et non seulement ça, on se retrouve avec un certain Atangandji très proche des dissidents. Vous savez ce que se passe là-bas? C'est quelques malais qui se cachent et qui veulent que quand Paul Biya va partir, qu'ils les laissent le pays tranquille, comme ils ont spolié, ils lui doivent de l'argent. Ils ne veulent pas rembourser notre argent. Ils sont des prédateurs. Ils tordent le cou à la loi. Ils ont détourné le patrimoine étatique public. Vous pensez que les gens sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. On dit crise anglophone. Elle commence où et ça arrive où? C'est d'abord c'est ça qu'il s'agit. Il y a la Colombie qui est installée là-bas. Les champs de chanvre qui sont dans tout l'Eldorado, ça va dans les périphériques même de la CDC. Moi, j'ai fait des investigations il y a 11 ans en arrière, à l'époque de Ndjalakwan. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'ils ignorent qu'ils produisent là-bas? Et c'est une industrie et c'est la Colombie. Ce
chose, je dis qu'on y a ça. On connaît ça. Deuxième chose. L'histoire de du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une histoire de positionnement. Positionnement. Pour votre bon gouverne. Le nom d'Atanadi est effacé à l'époque de la proposition faite par Chief Enoni. Il prend un coup, il prend beaucoup de perfusion dans une clinique à Yaoundé. Retournement. On piège Chief Enoni dans l'histoire d'Habitat. Lui et Béloken, les mains drapées, l'histoire de Libye. Le patrimoine de l'État est spolié. Je sais pas, je vous ai mal à l'aise. Ben allez-y, c'est vous qui êtes mal à l'aise, visiblement. Dans votre démarche, c'est vous qui êtes mal à l'aise. Moi, je vous écoute de manière religieuse. Ça me permet justement de vous relancer. Sauf si vous voulez que je vous interrompe tout le temps. Quand je parle de temps en temps, vous avez des attitudes. Bon, puisque vous proposez le langage que vous souhaitez que vous ayez plus je veux savoir quelle attitude à partir du moment où vous assumez l'entière responsabilité que vous, je voulais vous semblez dire. Pendant le patrimoine et l'Eldorado qui s'est installé là-bas, c'est comme ça que Chief Enoni est repris de justice. Le secrétaire particulier de Akamu Fumu, l'ex, non, il est encore commissaire. Je crois qu'il est encore, il a les rangs de commissaire. Avec un autre directeur de publication, je ne veux pas donner le nom. Parce que je sais que demain, il peut t'appeler pour le travail. Il m'a dit que j'avais parlé. Tu as récepté. Mais c'est un petit. Suivez mon regard du côté de la Centrafrique. Je ne prononce pas son nom parce que pour moi, c'est un enfant. C'est comme ça que les trois se mettent dans le cap. Chacun doit devenir ministre. Et c'est Chief Enoni qui enlève d'abord le premier nom. Parce qu'il dit que mais les diplômes d'Onichasi, moi je ne connais pas ça. Ça ne donne pas, monsieur Atangadji. Les problèmes s'installent. Les cas se retournent contre lui. Il va se retrouver dans une, je voulais, dans une vaste campagne d'arnaque pour spolier les biens de l'IME. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il ne serait pas de bon ton de dire que Peter Mafani a une société qui s'appelle Bounce et que Eric John a fêté son 7e milliard? Monsieur le Président, quel rapport avec la crise anglophone? Et c'est l'anglophonie, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Il m'a délité. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les revendications corporatives n'existent pas. Quelle est la corporation qui est là-bas? Donnez le nom d'une seule corporation. Les enseignants. Lesquels? Le corps des enseignants du secteur. À l'intérieur du système anglophone. Je suis désolé. C'est la figure, justement. Le corps des enseignants qui a fait des revendications, d'ailleurs très reconnues, qui font le transfert du savoir en langue anglaise. Parce qu'il a fait des revendications. Bon. Ces revendications sont légitimes. L'association de l'État a avancé. Des revendications. Et l'État a avancé. Je vous donne des noms, c'est pour ça que j'essaie de vous donner du nom. C'est pour cela. Moi, je suis d'accord avec vous. D'accord. Mais allez poser la question, par exemple, à un fils Mouna, qui est avocat. Il a géré Atlantic Beach. C'est le patrimoine de l'État. Vous l'avez vu aussi gesticuler beaucoup. Donc c'est un problème de positionnement. C'est un problème de positionnement et de prédateur qui estime qu'on n'a pas le droit de regarder ce qu'ils ont fait et même ce qu'ils ont fait contre la République. Comment on résout ce problème à votre avis? Vous qui êtes un homme politique aujourd'hui et qui patriote, on résout ce problème comment? Vous qui semblez connaître le fond du problème, ça veut dire que vous avez des esquisses de solutions. On en sort comment? Il faut que les intéressés soient mis face à la responsabilité. Parce que il est inadmissible que dans un pays comme le nôtre,
hein, quelqu'un pose des actes. Au nom de papa. Non, il était président de l'Assemblée pendant 30 ans. C'est pas clair. Il faut responsabiliser les Camerounais. Il faut qu'il y ait un sens, hein, de ce qu'on appelle, je vous l'ai dit, un sens de l'éligibilité morale. Que les gens sachent que quand on pose un acte, on peut à tout moment être contraint par la loi et de réparer, et que la loi va sévir. Pourquoi ne pas? Il faut qu'il y ait des cas école. Vous comprenez? Paul Aya, c'est un président, par exemple, de parti. Mais on le nomme, il rentre encore à la Cour suprême. Quand il ressort, le crédit foncier dit que vous me devez un peu d'argent, il se fâche. Mais là, il demande 100 milliards. Peut-être c'est pas aller payer la maison. Vous voyez alors comment les Camerounais sont. Si le crédit foncier maintenant lui dit que donne l'argent, vous avez dit que c'est Paul Biya. Paul Biya, il a appuyé sur le bouton pour qu'il rembourse. Si on l'expulse de la maison, oh, c'est Paul Biya qui est mauvais. Vous voyez alors? C'est un problème de positionnement. On va prendre rapidement, on ne va pas prendre la transition malheureusement, mais on va aborder rapidement, c'est une autre séquence de ce programme. Et vous avez d'ailleurs l'honneur de l'inaugurer pour sa première diffusion sur les antennes de la télévision du monde. On va parler quand même de Gilbert Banla, l'homme à domicile, pratiquant du tennis. C'est une passion que vous embrassez depuis toujours? Ou ouais. Vous êtes découvert cette passion à travers quelques noms bien connus? Non, non, non. Ça, je vais vous donner cette information. Monsieur Biya a joué au tennis ici, à Bonanjo, en face de chez... Je crois que c'est le domicile du général. Il a joué là. Il a été... C'est un sport préféré pour lui. En plus de cela, la bicyclette. Un peu d'art martiaux. Je n'ai pas pu lire beaucoup, mais je me suis rappelé qu'il a laissé des vieilles balles de tennis qui m'ont servi d'emprunt. Et je me suis mis, pas en professionnel, pour moi c'est une passion le tennis. Et en dehors du tennis, je faisais des armes à ce que j'ai arrêté. Parce que mon âge ne me permet plus, et puis mon programme aussi. Et ensuite de cela, je faisais le vélo, je me suis fracturé le bras, j'ai dit non, j'arrête un peu, donc c'est un peu ça. En famille, je suis polygame. Et je suis pas un très bon père, mais je connais mes responsabilités. Je fais tout pour le mieux, pour autour de moi, la journée soit bonne. Vous savez, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut la polygamie. Surtout en ce moment de morosité, c'est pas évident. C'est un choix. Et j'ai beaucoup de respect pour les femmes. J'estime qu'elles ont une place dans la société. Elles peuvent faire mieux. Pourquoi ne pas les soutenir? Donc c'est un peu ça, quoi. Monsieur Georges Gilbert Banla, malheureusement, le temps arrivé au terme de ce programme nous impose de mettre un point final à notre phase d'échange. C'était la première diffusion de votre émission Un fauteuil pour vous. Vous êtes d'ailleurs confortablement installé. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Yaoundé pour participer à cette première émission depuis nos studios ici à Douala. Mille fois merci d'avoir fait le déplacement. Non, 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 je suis tout de suite, chaque fois que vous sollicitez ma présence, je souhaiterais aussi que dans cette émission, vous mettez un petit parfum. Je vous l'ai dit, dans les couloirs de la construction de notre pays, parce que vous êtes assez talentueux, votre équipe technique, pourquoi pas,
Je dis tout à l'heure la promotrice, je voulais dire, c'est une bonne initiative. Mais il faut mettre un peu de parfum parce que en ce moment, nous sommes en droite ligne. Et la demande est forte. Le Cameroun va où? Les Camerounais attendent l'écho qui sortira du couloir. Et la providence. Et l'homme providentiel. Si c'est moi l'homme providentiel, que personne n'hésite de me voter pour 2018. On parlera le moment à venir. Mille fois merci, monsieur Georges Gilbert-Onla, d'être venu à ce premier programme Un fauteuil pour vous. Je rappelle à l'endroit des téléspectateurs qui ont certainement pris le programme de cours que vous êtes le président du Parti Républicain et que vous êtes le fils. Je suis le fils aîné du président de la République. Vous le dites. Très bien. Mille fois merci d'être venu. Bon vent, bon retour du côté de Yaoundé. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition sur les antennes de la télévision du monde. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver mardi prochain à la même heure avec un autre invité. Bien le bonsoir.